L'origine de formation, c'est la lecture du livre de Pierre Guyotat qui m'a donné envie d'essayer de mettre en corps, en scène, en espace, cette idée que la vie est une lente formation, transformation, avec ses accélérations, ses stagnations, ses cristallisations. Et pour essayer de mettre ça sur scène, j'ai demandé à Nicolas de m'aider à penser l'espace, enfin de produire un espace, que les quatre âges que j'avais envie de mettre sur scène puissent à la fois construire, dans lesquels ils puissent s'abriter, et dans lesquels le texte de Pierre Guyotat puisse résonner. Pourquoi ne volons-nous pas vite, très vite, par-dessus les plantes, par-dessus les arbustes, par-dessus les arbres, par-dessus les montagnes, par-dessus les eaux, vers nos frères, vers nos sœurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique? C'est un projet chorégraphique avec un élément plastique qui existe dans ce projet chorégraphique. Et le projet plastique vient, je dirais, dialoguer avec ça. Comme tu l'as bien souligné, on n'est pas dans ce rapport binaire d'un espace théâtral et d'un espace plastique. On est beaucoup plus en lien, quelque part, avec le monde, avec l'extérieur, avec des connexions beaucoup plus larges. Ce qui m'intéresse aussi dans un objet scénique, c'est que cet objet ne s'arrête pas à l'espace de la scène, c'est qu'il puisse déborder, qu'il puisse déborder dans l'imaginaire qu'il crée sur scène, mais qu'il puisse déborder physiquement, réellement, c'est-à-dire qu'on puisse investir aussi d'autres espaces avec. Donne à Don Matricial sa filasse épididymiane à recoiffer, par Luis, fessier soulevé sur Saïf Aloïde, phénicien, cinglant. Cette responsabilité envers la société civile concernant nos place d'artiste, on doit continuer de créer pour des endroits très précis, en effet, des théâtres en ce qui me concerne, ou des centres d'art parfois, mais on doit, ou en tout cas c'est devenu un désir très fort pour moi, et je le vois aussi pour Nicolas dans sa façon de diffracter son travail, on doit pouvoir servir à quelque chose ou servir à parler de certains sujets importants. L'art doit être actif, parce que ce sont des questions, la question d'information c'est une question de société très importante. Et voilà, Guyotat l'exprime d'une façon magistrale de son endroit. J'essaye d'en faire écho à ma façon. Et la structure de Nicolas est une autre façon de mettre en espace, encore en scène, cette question de la transformation.